Bienvenue dans cette méditation guidée spécialement conçue pour toi, chanteuse ou chanteur. Je suis ravi que tu prennes ce temps précieux pour travailler sur ta résilience face à la critique. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette méditation, vous pourrez la télécharger en entier et sans publicité avec le lien dans la description. Dans notre voyage artistique, nous sommes souvent confrontés à des retours, parfois difficiles à entendre, mais qui peuvent aussi nous aider à grandir. Cette séance va t'aider à développer une force intérieure qui te permettra d'accueillir ces critiques avec sagesse et sérénité. Commence par trouver une position confortable. Tu peux t'asseoir sur une chaise, le dos droit mais pas rigide, les pieds bien à plat sur le sol. Ou si tu préfères, tu peux t'allonger sur un tapis de yoga ou sur ton lit. L'essentiel est que tu te sentes à l'aise et détendu. Ferme doucement les yeux et prends conscience de ton environnement. Écoute les sons autour de toi. Peut-être entends-tu le bruissement léger des feuilles dehors, le ronronnement distant d'une voiture, ou simplement le silence apaisant de ta pièce. Accueille tous ces sons sans jugement. Sens le contact de ton corps avec le support sur lequel tu es installé. Remarque les points de pression, tes pieds sur le sol, tes cuisses sur la chaise, ton dos contre le dossier. Ressens le poids de ton corps qui s'enfonce légèrement dans ce support, t'ancrant solidement dans le moment présent. Prends conscience de la température de l'air sur ta peau. Est-elle fraîche ou chaude? Peux-tu sentir de légers courants d'air sur ton visage ou tes mains? Ces sensations subtiles t'aident à t'ancrer davantage dans l'instant présent. Alors que tu t'installes confortablement, permets-toi de laisser aller les préoccupations de ta journée. Imagine que chaque souci, chaque pensée stressante, chaque critique qui t'a peut-être affecté aujourd'hui se dissout doucement, comme des nuages qui se dispersent dans un ciel bleu. Tu es ici, maintenant, dans un espace sûr et bienveillant. Un espace où tu peux explorer tes émotions, renforcer ta confiance en toi et développer ta résilience. Rappelle-toi que ta voix est unique, précieuse et mérite d'être entendue. Peu importe les critiques que tu as pu recevoir, tu as le pouvoir de les transformer en opportunité de croissance. Maintenant que tu es confortablement installé et présent dans l'instant, porte ton attention sur ta respiration. Ne cherche pas à la modifier pour le moment, contente-toi simplement d'observer son rythme naturel. Remarque le mouvement de ton ventre. Sens-le se soulever légèrement à l'inspiration et s'abaisser à l'expiration. Ce mouvement doux et régulier est comme le flux et le reflux de l'océan, un rythme apaisant qui t'ancre dans le moment présent.
porte maintenant ton attention sur les sensations au niveau de tes narines. Peux-tu sentir l'air frais qui entre à l'inspiration? Remarque comment il est légèrement plus chaud lorsqu'il ressort à l'expiration. Ces subtiles différences de température sont comme un baromètre de ta respiration, te permettant de suivre chaque cycle avec précision. Élargis ta conscience à l'ensemble de ta cage thoracique. Observe comment elle s'expand doucement à chaque inspiration, créant de l'espace à l'intérieur de ton corps. À l'expiration, sens-la se contracter légèrement, libérant cet espace dans un mouvement naturel et fluide. Visualise maintenant ta respiration comme une vague douce et apaisante qui parcourt ton corps. À chaque inspiration, imagine une lumière dorée et chaleureuse qui entre par ton nez, descend dans ta gorge, remplit tes poumons, ta cage thoracique et se répand dans tout ton corps. Cette lumière apporte avec elle de l'énergie, de la vitalité et un profond sentiment de paix. À chaque expiration, vois toutes les tensions et le stress quitter ton corps sous forme d'une brume grise. Chaque expiration te libère un peu plus, emportant avec elle les doutes, les peurs, les critiques négatives que tu as pu intérioriser. Tu te sens de plus en plus léger, de plus en plus détendu à chaque cycle de respiration. Imagine maintenant que chaque inspiration apporte en toi une qualité dont tu as besoin pour faire face aux critiques. Peut-être est-ce la confiance, la force ou la sérénité. À chaque inspiration, sens cette qualité se répandre dans tout ton corps, renforçant ton être intérieur. À chaque expiration, laisse partir une pensée ou une émotion négative liée aux critiques que tu as pu recevoir. Peut-être est-ce le doute, la peur ou la colère. Vois ces émotions s'évaporer avec ton souffle, te laissant plus léger et plus serein. Continue à respirer ainsi pendant quelques instants en te concentrant sur cette image de lumière dorée qui entre et sur cette brume grise qui sort. Avec chaque respiration, tu te sens plus calme, plus centré, plus résilient face aux défis qui peuvent se présenter dans ta carrière de chanteur. Prends conscience de l'espace à l'intérieur de ton corps. Sens comment chaque inspiration crée de l'espace dans ta poitrine, dans ton ventre. Cet espace est comme un bouclier protecteur, te donnant la force de faire face aux critiques avec sagesse et sérénité. Maintenant que tu es profondément connecté à ta respiration, nous allons effectuer un scan corporel détaillé. Cet exercice va nous permettre d'identifier et de relâcher les tensions dans tout ton corps, en accordant une attention particulière
aux zones qui peuvent être affectées par le stress lié aux critiques. Commence par porter ton attention sur le sommet de ta tête. Imagine une douce chaleur qui se répand sur ton cuir chevelu, détendant chaque muscle, chaque follicule pileux. Cette chaleur dissout toute tension, toute préoccupation liée au jugement des autres. Descends vers ton front. Souvent, nous accumulons beaucoup de tension ici lorsque nous sommes préoccupés par ce que les autres pensent de nous. Visualise toutes les rides de tension qui se lissent comme de l'eau calme sur un lac. Sens ton front devenir lisse et détendu. Tu peux même imaginer une douce brise qui souffle sur ton front, emportant avec elle toute trace de stress ou d'inquiétude liée aux critiques. Porte maintenant ton attention sur tes yeux. Les muscles autour de tes yeux travaillent dur, surtout lorsque nous scrutons les réactions des autres à notre performance. Laisse tes paupières devenir lourdes et détendues. Imagine une lumière apaisante qui baigne tes yeux, les rafraîchissant et les revitalisant. Cette lumière apaisante pénètre profondément, relaxant même les muscles derrière tes yeux. Descends vers tes joues et tes mâchoires, une zone cruciale pour les chanteurs et qui peut se crisper face au stress de la critique. Visualise tes muscles maxillaires se relâchant complètement. Tu peux même entendre un léger craquement alors que toute tension se dissipe. Laisse ta mâchoire s'entr'ouvrir légèrement, créant un espace entre tes dents supérieures et inférieures. Porte ton attention sur ta langue. Souvent, nous ne réalisons pas à quel point notre langue peut être tendue lorsque nous sommes sur la défensive. Laisse-la reposer doucement dans ta bouche, détachée du palais. Imagine qu'elle devient lourde et détendue, comme si elle fondait dans le fond de ta bouche. Concentre-toi maintenant sur ton cou et ta gorge, des zones particulièrement importantes pour les chanteurs et qui peuvent se contracter face à la critique. Imagine une douce chaleur qui enveloppe cette zone, détendant chaque muscle, chaque tendon. Cette chaleur pénètre profondément, atteignant même ton larynx et tes cordes vocales. Visualise tes cordes vocales souples et détendues, libres de toute tension liée à la peur du jugement. Descends vers tes épaules. C'est un endroit où nous avons tendance à porter beaucoup de stress, surtout lorsque nous nous sentons jugés. Sens tes épaules s'éloigner de tes oreilles alors qu'elles se relâchent complètement. Imagine toute tension liée aux critiques s'écouler le long de tes bras, comme de l'eau qui s'écoule d'une fontaine. Cette tension descend le long de tes bras, passe par tes coudes, tes poignets, et s'échappe finalement par le bout de tes doigts.
porte ton attention sur ta poitrine et ta cage thoracique. À chaque respiration, visualise cet espace qui s'agrandit, créant plus de place pour ta voix et ta confiance en toi. Imagine ta cage thoracique comme un bouclier protecteur, fort et souple à la fois, capable d'absorber les critiques sans les laisser t'atteindre profondément. Descends vers ton ventre, siège de nombreuses émotions. Sens-le se gonfler doucement à chaque inspiration, comme un ballon qui se remplirait d'air chaud et léger. À chaque expiration, imagine qu'il se vide en douceur, libérant toute tension et toute peur liée au jugement des autres. Visualise les muscles de ton abdomen, souples et forts, prêts à te soutenir face à n'importe quel défi. Porte ton attention sur ton bas du dos. C'est une zone qui accumule souvent beaucoup de tension, surtout lorsque nous nous sentons menacés ou jugés. Imagine une vague de chaleur qui se répand dans ton bas du dos, détendant chaque muscle, chaque vertèbre. Sens ta colonne vertébrale s'allonger doucement, te donnant force et stabilité face aux critiques. Descends vers tes hanches et ton bassin. Laisse le poids de ton corps s'enfoncer un peu plus dans ton support. Imagine que toute tension résiduelle, toute peur du jugement s'écoule de ton bassin vers le sol, absorbée par la terre. Porte ton attention sur tes jambes. Sens-les devenir lourdes et détendues. Toute tension liée au stress de la performance ou à la peur de la critique s'écoule le long de tes cuisses, passe par tes genoux et descend dans tes mollets. Enfin, concentre-toi sur tes pieds. Sens chaque orteil se détendre individuellement. Puis, imagine des racines qui poussent depuis la plante de tes pieds, s'enfonçant profondément dans le sol. Ces racines t'ancrent solidement, te donnant la stabilité et la force nécessaires pour rester debout face à n'importe quelle critique. Prends un moment pour ressentir ton corps dans son ensemble, complètement détendu et en harmonie. De la tête aux pieds, tu es maintenant dans un état de relaxation profonde, prêt à faire face aux défis avec résilience et confiance. Maintenant que ton corps est complètement détendu et que ton esprit est calme, nous allons utiliser le pouvoir de ton imagination pour renforcer ta résilience face aux critiques. La visualisation est un outil puissant qui peut t'aider à développer une force intérieure inébranlable. Imagine-toi dans un endroit paisible et sécurisant. Cela peut être un lieu que tu connais bien, comme une plage tranquille, une forêt apaisante ou un jardin fleuri. Ou bien tu peux créer dans ton esprit un lieu idéal qui représente pour toi le calme et la sérénité. Prends le temps d'explorer cet endroit avec tous tes sens,
Que vois-tu autour de toi? Quelle couleur? Quelle forme? Peut-être vois-tu le bleu profond de l'océan ou le vert apaisant des arbres. Peut-être y a-t-il des fleurs aux couleurs vives ou un ciel d'un bleu limpide parsemé de nuages cotonneux. Quel son entends-tu? Peut-être le bruissement des feuilles dans les arbres, le doux clapotis des vagues ou le chant mélodieux des oiseaux. Peut-être entends-tu le murmure d'un ruisseau qui coule non loin ou le son apaisant du vent qui souffle doucement. Que sens-tu? Peut-être l'odeur fraîche de l'herbe, le parfum salé de la mer ou le doux parfum des fleurs. Peut-être sens-tu l'odeur de la terre après la pluie ou le parfum des pins dans une forêt. Quelle est la température de l'air sur ta peau? Est-ce qu'une brise légère caresse ton visage? Peut-être sens-tu la chaleur du soleil sur ta peau ou la fraîcheur de l'ombre sous un grand arbre. Dans cet endroit paisible, tu te sens parfaitement en sécurité et détendu. C'est un lieu où tu peux être entièrement toi-même, sans peur du jugement ou de la critique. Maintenant, imagine qu'au centre de cet endroit se trouve un miroir magique. Ce n'est pas un miroir ordinaire qui ne reflète que l'apparence extérieure. Ce miroir a le pouvoir de refléter ta véritable essence, tes talents uniques, ta force intérieure. Approche-toi de ce miroir et regarde ton reflet. Ce que tu vois n'est pas seulement ton apparence physique, mais une représentation visuelle de toutes tes qualités en tant que chanteur et être humain. Tu vois la passion qui brûle dans tes yeux, la détermination dans ton expression, la créativité qui émane de tout ton être. Autour de ton reflet, tu vois une aura lumineuse. Cette aura représente ta résilience, ta capacité à rebondir face aux défis et aux critiques. Elle est comme un bouclier protecteur qui t'entoure, absorbant les critiques négatives et les transformant en énergie positive. Alors que tu continues à regarder dans le miroir, tu vois des images de tes réussites passées. Tu te vois en train de donner une performance exceptionnelle, le public captivé par ta voix. Tu vois des moments où tu as surmonté des obstacles, où tu as persévéré malgré les difficultés. Ces images te rappellent ta force et ta capacité à progresser, quelles que soient les circonstances. Maintenant, imagine que des mots apparaissent autour de ton reflet. Ces mots représentent les critiques que tu as pu recevoir dans le passé. Peut-être que ce sont des commentaires sur ta technique vocale, ton interprétation ou même ton apparence. Au lieu de te sentir blessé par ces mots, observe comment ton aura de résilience les absorbe. Vois comment chaque critique est transformée en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Les mots négatifs se dissolvent et sont remplacés par
par des affirmations positives. Tu n'as pas la bonne technique devient « Je perfectionne constamment ma technique ». Tu manques de présence sur scène se transforme en « Je développe ma présence scénique chaque jour ». Sens la force que te donne cette capacité à transformer les critiques en opportunités. Tu n'es plus à la merci des opinions des autres. Tu as le pouvoir de choisir comment interpréter et utiliser les retours que tu reçois. Maintenant, imagine une version future de toi-même qui a pleinement intégré cette résilience. Cette version de toi se tient droite, confiante, rayonnante. Elle accueille les critiques avec grâce et sagesse, sachant qu'elles ne définissent pas sa valeur en tant qu'artiste ou être humain. Observe comment cette version future de toi interagit avec les autres. Elle est ouverte au retour constructif, capable de discerner ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Elle n'a pas peur de prendre des risques artistiques, sachant que la croissance vient souvent de l'inconfort et des défis. Prends un moment pour te connecter profondément à cette version résiliente de toi-même. Ressens la confiance, la sérénité et la force qui émanent d'elle. Sache que cette version de toi n'est pas un rêve lointain, mais un potentiel qui existe déjà en toi, que tu peux développer et renforcer chaque jour. Alors que tu te prépares à quitter cet espace de visualisation, choisis un symbole qui représente pour toi cette nouvelle résilience. Cela peut être un objet, une couleur ou même un geste. Ce symbole sera ton ancre, un rappel de ta force intérieure chaque fois que tu feras face à des critiques ou des défis. Prends une profonde inspiration en imaginant que tu inspires toutes les qualités de cette version résiliente de toi-même. En expirant, sens ces qualités s'intégrer pleinement dans ton être, devenant une partie intégrante de qui tu es. Maintenant que tu as visualisé ta résilience, nous allons renforcer cette image positive avec des affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives qui, répétées régulièrement, peuvent transformer notre façon de penser et d'agir. Je vais te guider à travers une série d'affirmations spécialement conçues pour renforcer ta résilience face aux critiques. Répète chaque affirmation après moi en la ressentant profondément dans tout ton être. Si c'est possible, dis-les à voix haute en laissant ta voix porter la force et la conviction de ces mots. Je suis résilient et fort face aux critiques. Je suis résilient et fort face aux critiques. Sens la vérité de ces mots dans chaque cellule de ton corps. Tu as la force intérieure pour faire face à n'importe quel défi. Les critiques sont des opportunités de croissance et d'amélioration. Les critiques
sont des opportunités de croissance et d'amélioration. Visualise chaque critique comme une marche d'escalier qui te mène vers une version meilleure de toi-même. Ma valeur en tant qu'artiste et être humain ne dépend pas des opinions des autres. Ma valeur en tant qu'artiste et être humain ne dépend pas des opinions des autres. Ressens la libération que cette affirmation apporte. Tu es intrinsèquement précieux, quoi que les autres puissent dire. J'accueille les retours constructifs avec ouverture et discernement. J'accueille les retours constructifs avec ouverture et discernement. Imagine-toi en train d'écouter calmement des retours en choisissant ce qui est utile pour ton développement. Je transforme les critiques négatives en motivation positive. Je transforme les critiques négatives en motivation positive. Vois-toi prendre une critique difficile et la transformer en énergie créative pour t'améliorer. Ma voix est unique et précieuse, elle mérite d'être entendue. Ma voix est unique et précieuse. Elle mérite d'être entendue. Sens la vérité profonde de cette affirmation. Ta voix est un cadeau pour le monde. Je suis en constante évolution et chaque expérience me rend plus fort. Je suis en constante évolution et chaque expérience me rend plus fort. Visualise-toi comme un arbre qui grandit et se renforce avec chaque saison, chaque défi. Je choisis de me concentrer sur mon parcours et non sur les jugements des autres. Je choisis de me concentrer sur mon parcours et non sur les jugements des autres. Imagine-toi en train de marcher sur un chemin, les yeux fixés sur ton objectif, les critiques s'évanouissant comme des ombres autour de toi. J'ai confiance en ma capacité à surmonter les obstacles et à atteindre mes objectifs. J'ai confiance en ma capacité à surmonter les obstacles et à atteindre mes objectifs. Ressens la force et la détermination qui accompagnent cette affirmation. Je suis reconnaissant pour chaque opportunité d'apprendre et de grandir. Je suis reconnaissant pour chaque opportunité d'apprendre et de grandir. Laisse un sentiment de gratitude t'envahir, même pour les expériences difficiles qui t'ont fait grandir. En répétant ces affirmations chaque jour, surtout avant une performance ou lorsque tu te sens vulnérable face aux critiques. Avec le temps, ces pensées positives deviendront une partie intégrante de ta façon de penser et d'agir. Alors que nous approchons de la fin de cette méditation, nous allons créer un ancrage physique pour cet état de résilience et de confiance que nous avons cultivé. Cet ancrage te permettra de retrouver rapidement cet état chaque fois que tu en auras besoin, notamment face à des critiques. Choisis un geste simple et discret que tu pourras facilement reproduire plus tard. Par exemple, tu peux presser doucement ton pouce et ton index ensemble. Ou bien toucher un point spécifique sur ton poignet. Tu peux aussi choisir de joindre tes mains devant ton cœur ou de placer une main sur ton ventre.
Tout en effectuant ce geste, prends une profonde inspiration et, en expirant, dis-toi intérieurement « Je suis résilient, confiant et prêt à grandir. » Je suis résilient, confiant et prêt à grandir. Sens ces mots résonner dans tout ton corps, renforçant ton état de préparation et de confiance. Répète ce processus plusieurs fois en associant le geste, la respiration et l'affirmation positive. Chaque fois que tu le fais, renforce la connexion entre ce geste et l'état de résilience et de confiance que tu ressens actuellement. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as appris et ressenti pendant cette méditation. Comment te sens-tu par rapport aux critiques maintenant? Peux-tu sentir ta force intérieure, ta capacité à rebondir face aux défis? Rappelle-toi que la résilience est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Chaque fois que tu fais face à une critique avec grâce et ouverture d'esprit, tu renforces ta résilience. Alors que tu te prépares à revenir à ton état de veille, garde avec toi cette sensation de force et de confiance. Sache que tu peux revenir à cet état à tout moment, en utilisant ton ancrage et en pratiquant les techniques que nous avons explorées aujourd'hui. Je vais maintenant compter à rebours de 5 à 1. À chaque chiffre, tu te sentiras de plus en plus éveillé et alerte, tout en conservant ce sentiment de calme et de résilience. 5. Commence à prendre conscience de ton corps, de sa position dans l'espace. 4. Deviens conscient des sons autour de toi, te reconnectant progressivement à ton environnement. 3. Bouge doucement tes doigts et tes orteils, réveillant ton corps en douceur. 2. Prends une profonde inspiration, sentant l'énergie et la vitalité revenir dans tout ton corps. 1. Ouvre lentement les yeux en te sentant parfaitement éveillé, détendu et confiant. Prends un moment pour t'étirer doucement, comme si tu te réveillais d'un sommeil réparateur. Remarque comme tu te sens maintenant, comparé au début de la méditation. Rappelle-toi que tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour faire face aux critiques avec grâce et résilience. Ta voix est précieuse et mérite d'être entendue. Chaque critique est une opportunité de grandir et de t'améliorer, mais elle ne définit pas ta valeur en tant qu'artiste ou être humain. Va de l'avant, avec confiance, sachant que tu es capable de transformer les défis en opportunités de croissance. Ta résilience est ta force. Et elle continuera à se développer chaque jour. Et n'oubliez pas en cadeau le téléchargement de cet audio dans la description.